Bonjour, c'est Maggie. J'espère que tu vas bien. Je reviens ce soir avec une nouvelle recette du poisson frit à la sauce tomate et aux épices frais. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment je réalise cette recette. Ne quitte pas, on se retrouve juste après l'intro pour la préparation. Mon poisson est d'environ 1 kg que je vais bien laver puis découper en morceaux. Mon poisson est prêt d'être assaisonné. Je rajoute du sel, du poivre blanc, du bouillon de plaie. Je mélange bien environ 1 minute. J'ajoute de la farine. Après avoir bien assaisonné mon poisson, je vais couvrir. Je laisse reposer 30 minutes au réfrigérateur. Pendant ce temps, je coupe la ciboule en fines tranches. Je coupe aussi la céleri en fines tranches. Je passe au piment vert. Ensuite, je coupe l'ail en fines tranches, puis je hache en tout petits morceaux. Et enfin, la tomate. Voici comment ça se présente après le coupage. La tomate bien coupée. Octogone, bouillon de poulet, puis de dark soy sauce. Du poivre blanc, un orange, une boîte de tomates concentrées et enfin le bouillon de pomme. Tout est prêt, je passe à la cuisson. Dans une casserole chauffée à feu fort, je mets l'huile. Quand elle est chaude, je mets
mon morceau de poisson. Je fais frire pendant environ 5 minutes jusqu'à ce qu'elle change de couleur. Dans une casserole chauffée à feu doux, je mets l'huile, que je rajoute mes oignons. Je mélange environ 5 minutes jusqu'à ce que les oignons changent de couleur. Une fois que les oignons ont changé de couleur, je rajoute les piments verts. Je mélange juste un tout petit peu. Je vais couvrir environ 3 minutes. Je retire le couvercle. Toujours à feu moyen. Je rajoute ensuite l'ail, la ciboulette et la céleri. Je vais couvrir 3 minutes. 3 minutes après, je retire le couvercle. Je mélange. Je rajoute ensuite 3 octogones. Puis je mélange. J'ajoute la tomate. Je mélange pendant quelques minutes. Je vais ensuite couvrir. Je retire le couvercle. Après avoir bien mélangé, je viens rajouter de la tomate concentrée. Je mélange pendant quelques minutes. J'ajoute du sel.
J'ajoute une tasse d'eau. Puis, je vais couvrir. Dix à 15 minutes après, j'ajoute mon bouillon fait à base de pommes. J'ajoute du jus d'orange. Puis, je mélange environ 1 à 2 minutes. J'ajoute le dark soy sauce, puis le reste du bouillon de poulet. J'ajoute le poisson. Je laisse mijoter à feu moyen pendant 5 minutes avec un couvercle. Des minutes après, je remue de temps en temps. Je laisse encore mijoter à feu moyen. Mon poisson frit à la sauce tomate et aux épices frais est prêt. Il ne reste qu'à servir. Bon appétit. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.